Europe 1 Social Club. 20h, 22h, Frédéric Taddeï. Joey Starr et Nati, vous sortez donc un album intitulé Caribbean Dandy. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait. La chanson s'intitule How Long. Vous voulez nous en dire un mot avant qu'on l'écoute ? Ouais, c'est un morceau d'introduction de l'album qui est un peu c'est un genre de délire un peu heroic fantasy voilà où on parle du son de système de notre culture de notre musique justement caribéenne dancehall reggae et que on la transpose à notre échelle et à notre vie parisienne un peu. Ouais, enfin, de manière plus urbaine, comme on dit chez nous, plus négropolitaine, on va dire. Mais surtout, l'idée, c'est que il faut. Non, mais il a tout dit, en fait, voilà. Et que demande le peuple. Voilà. Je sens la force du clash, dont la violence m'envoûte, m'envahit. Je sens la guerre en moi. Et nous sommes remis, comme à chaque fois, nous sommes la vie. Pour leur insuffler la mort. Nous sommes les légions, annonce l'armageddon. Nul ne fait face, ni même ne fait front. Tu viens guerroyer, mais je viens croiser le fer. D'autres ont cru, mais l'on sait me faire fier. La foule est mon sang, mon cran et mon rang. On me dit j'avoue, pas des bons en essence. Je suis légion, je dois craindre le pire. Ton sang ce soir. Sur le champ de bataille, c'est une danse sanglante. Pare-balles cuirassées, armes ennemies sur ma potence. Dans une main j'ai la guerre, dans l'autre le tonnerre. J'suis régiment 9-3, comme une série d'éclairs. J'arrive du ciel, ils périssent à la chaîne. Puisqu'une seule arme est toi, rester ce sera la mienne. Nati pour ma part, tu connais la suite. Ensemble ce soir, on va mourir. Fire Lynx, Kilimanjaro, Stone Love, Tony Mataron et la Faucheuse. Cartel, accompagnez-nous dans cette victoire. Ouh. Dans ce bombel absolu est ma mire. Mes armes et mes actes, les jeunes vont s'inscrire. Mes lanciers bagarres, l'impérial taille dans l'art. Ma route courbillon, tiens où les dandards. Souviens-toi de mon clan, l'arme, ils l'oublieront. De Rome, je suis César, Madrid et Dio. Tout sur le passage, plante un drapeau. On réécrit ton histoire, on laisse aucun apôtre. Joey Starr et Nati, vous êtes tous les deux nés dans la région parisienne. Alors qu'est-ce qu'il y a de caribéen en vous ? Et faites gaffe à ce que vous allez dire, parce qu'il y a Lionel Trouillot qui est là. Avant tout, nos gènes, déjà, je pense. Ouais, nos gènes, on est, je crois, tous les deux. Le métissage, enfin, de l'époque d'où on vient, le métissage n'était pas une histoire d'amour à l'époque. Ouais, aujourd'hui, ça peut exister, mais ça l'était moins à l'époque. Par exemple, on vient de ça aussi. Nos parents, déjà, tout court. Enfin, nos parents, Les descendants. Martinique pour l'autre. Voilà, de mes deux parents aussi. Voilà. Et je pense aussi la notre culture, elle, caribéenne, guadeloupéenne et martiniquaise nous ont été transmises par nos parents d'une certaine manière et avec les mesures qu'ils en avaient à l'époque, aux époques différentes auxquelles on a grandi, je pense aussi. Quoi. Et quelle était l'influence de la musique caribéenne sur le rap j'imagine bien du côté de la Jamaïque, mais la musique cubaine, par exemple, ou la musique antillaise a eu de l'influence ? La musique cubaine a eu beaucoup d'influence, mais que ce soit de Haïti, surtout sur toutes les Caraïbes, quoi. Surtout fin 50, début 60, à mort, quoi. Je pense que ça a été rapporté par le biais du Bumidom aussi un peu en France après, entre autres. Mais je crois que notre relation avec tout ça, c'est que on en a mangé sans le vouloir, en fait. C'est-à-dire qu'on en a des réminiscences
aujourd'hui. Et puis après, la relation avec le rap, enfin, moi, pour les autres, je ne sais pas, mais la nôtre, c'est que déjà, par exemple, pour monsieur, moi, j'ai connu ça. Il faut savoir quand même que monsieur, en fait, est né l'année où NTM, donc mon groupe de base, a sorti son premier album. Oui, il voilà. a 25 ans, ça pourrait être votre fils. Voilà, c'est déjà, vous ouais. allez me parler autrement, monsieur, j'ai envie de vous dire. Non, mais tout ça pour dire que, monsieur, j'ai connu sa mère avec qui j'ai travaillé. Elle fait partie de ces dernières personnes qui tenaient des petites échoppes à Odéon, qui vendaient de la musique exotique, ça s'appelait comme ça, genre reggae, musique antillaise de tous bords et ainsi de suite. Donc, ils vendaient des vinyles, quoi. Et toute sa famille a les mêmes cheveux que lui, quoi. La mienne, moins, déjà. Donc, déjà, ça crée une séparation. Puis je suis d'une culture rasta, pareil, guadeloupéenne, francophone. Ce qui ne me plaît pas tous les jours, mais bon, je compose avec. Lionel Trouillot, voilà. Il y a du rap en Haïti. Est-ce qu'il y a du rap français qui arrive jusqu'à Haïti? Oui, il y a du rap produit par les Haïtiens, il y a du rap français, il y a du rap... Américain. Du rap tout court, de toute façon. Tout court. Il y a beaucoup d'Haïtiens aux États-Unis qui font du rap aussi, ouais. Énormément. Et alors, vous le disiez. Et qu'ils le font bien, surtout. Qu'ils font sans rigoler, quoi. Et qu'ils le font avec le caractère d'Haïti, en plus. Ouais. Ce qui est une couleur particulière. Vous le disiez, Joey Starr, Nati est un peu plus jeune que vous. Il n'a que 25 ans. Oui, il a deux fois au moins. Voilà. Enfin, bon, bref. D'ailleurs. Quand on aime, on ne compte pas. Mais voilà. Enfin. Il y a une chanson où il vous appelle papa, d'ailleurs. Et oui, il vous dit. Mais je l'appelle aussi papa. Donc, c'est pour rendre la chose encore plus ambiguë. Mais enfin, lui, il dit fais gaffe à ta tension. Ça m'a fait rire, ça. Oui, ça m'a plutôt fait rire. Qu'est-ce qu'on rigole, bordel. Ah, mais il y a une chanson qui s'appelle « Pourquoi tu t'énerves ?» ouais. Et je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait. C'est parti. Pourquoi tu t'énerves hein quoi pourquoi je tu t'énerves Pourquoi je m'énerve Il est vrai que chez moi, mon humeur est moteur. Toujours débridé, ma couleur en est le cœur. Me prends pas de bonheur, j'ai l'aura d'une tumeur. Si je te dis que mes yeux sont secs, traite-moi de menteur. J'ai le don d'exaspérer, comme tout m'exaspère. J'aime être irascible, ce qui cultive ma colère. Entretiens ma mauvaise foi et me rend imbuvable. Ça me tord. Putain, tu dois être increvable. Pourquoi tu t'énerves? Parce que... Je construis le monde comme mon père avant moi. Comme le dit ma mère si bien, c'est mon corps et non moi. Je ne soigne jamais mes nerfs, je le tiens à vivre. Je ne vis bouleversant, chaque moment est décisif. À m'en faire remonter le menton chaque jour jusqu'au cul. Je pourrais chier mon colon, tellement je suis tendu. Moi je me coltine une infirmité qui n'a pas de trêve. Demain est un autre jour dans notre usine à rêve. Sauf pour toi. Je suis du soleil sans âme et masculé. Coincé toujours acculé et je ne peux pas sauter. Je suis du soleil sans âme et masculé. Je suis comme mal programmé et personne n'a le cœur. Pourquoi tu t'énerves? Parce que... Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Redescends un peu, fais gaffe à ta tension. T'es beaucoup trop tendu, ça fait un peu trop d'action. Oh calme-toi, bois un coup, papa on est à la cool. Quand tu t'énerves, tu casses tout et tu fais peur à la foule. J'sais pas moi, fume un wange, entends-toi, fais un rêve. T'as l'air vraiment sous pression, Renoir, accorde-toi une trêve. Donne la 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 des jaguars, la T-Rock de porter à force de gueuler, d'être énervé, tu vas réveiller tout Paris. J'suis du soleil, sans âme et masculé, coincé toujours acculé. C'est intéressant, Joey Starr, ce que vous dites dans cette chanson. J'ai le don d'exaspérer comme tout m'exaspère. J'aime être irascible, ce qui cultive ma colère, entretient ma mauvaise foi et me rend imbuvable. Ouais, je vais synthétiser en fait. Enfin, on en parlait là à l'instant, mais. Et oui, la mauvaise foi est un muscle chez moi, entre autres, que je cultive à mort. Et puis je pense qu'il y a des choses un peu plus croustillantes encore qui sont dites après. Oui, mais bon. et vous, Nati, vous lui dites quand tu t'énerves, tu casses tout et tu fais peur à la foule. Ouais, vous l'avez constaté, ça? Bah ouais, j'allais dire justement, c'est des expériences vécues, que ce soit sur scène ou juste de. Dans notre vie quotidienne où on peut se balader à gauche à droite, on se rend bien compte que quand monsieur s'énerve un peu trop, ça fait peur à la foule.
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Bah, vous connaissiez sa maman. Donc déjà, c'est ça. En fait, on avait une émission qui s'appelle, bon, bah, je suis obligé de le dire, qui s'appelait Jeudi, jour de sodomie. puisque, elle on s'appelait en avait Skyboss. Une... Voilà. Non, Skyboss, et Skyboss jeudi, c'était le nom officiel. Voilà, mais ça s'appelait Jeudi. Et le samedi, ça s'appelait Mets ta femme à l'abri ou Attache ton cabri. C'était voilà. Sur Skyrock. Voilà, c'est ça, sur Skyrock toujours. Et on avait un truc, enfin, on développait ce truc tout à l'heure. En fait, je voulais venir là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a la relation entre les Caraïbes. Et le rap, en fait, c'est que c'est le sound system, en fait. C'est que le sound system est né dans les Caraïbes, c'est-à-dire dans les années 60, même enfin fin 50. Ouais, les gens jouaient, il y avait déjà des DJ qui jouaient des trucs, tac, et qu'animaient par-dessus. Donc c'est la version balle, en fait, avec un mec qui anime par-dessus et qui dit « chope ta partenaire, danse tel truc et machin hein. ». Mais alors ça, moi j'ai connu ça en Jamaïque, mais il y en a partout dans les Caraïbes. C'était déjà y en a en Haïti. Ah ouais, non, c'est une culture caribéenne. Ah, culture caribéenne. Ouais, ouais. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est le bal, bam, enfin le bal, voilà, vu par ces gens qui arrivent de tous bords, en fait, par des vrais citoyens du monde, mais ils sont pas tout le temps, en fait, qui sont citoyens du monde, mais c'est la mixité de tout ça, enfin, donne cette histoire, quoi. Et faut savoir quand même que. C'est là-dedans qu'on s'est rencontrés. En fait. Voilà, c'est là-dedans qu'on s'est rencontrés. Et faut savoir qu'il y a un mec qui s'appelle Kool Herc, qui était martiniquais, qui est remonté après jusqu'à New York, qui a rencontré Afrika Bambaataa. Il y en a un qui écoutait de la musique afro-caribéenne, tout ça, et l'autre écoutait des trucs plus craftware, entre autres, qui mélangeaient avec des vieux machins, choses de funk. Et ils ont inventé le rap en 73. Non, ils n'ont pas inventé le rap, ils ont inventé le mix, déjà. Ouais. C'est-à-dire mixer des trucs, mais vraiment les mixer, c'est-à-dire trouver le BPM de l'autre. Donc, voilà, c'est ça la vraie relation. Et d'ailleurs, entre Afrika Bambaataa était venu dans cette émission pour les 40 ans de l'événement dont vous parlez, qui considérait être comme l'invention du rap. Non, mais c'est les prémices, hein, quoi qu'il arrive, c'est vrai. Non, il n'a pas tort. Désolé, excusez-moi, monsieur Frédéric. Il y a une chanson de Joey Starr et Natty dans ce disque qui s'appelle Rebelle conformiste. Mais nos invités sont obligés d'écouter. Ils auront leur tour à moi. Dès que vous en avez marre, vous levez la main. Il y a une chanson qui s'appelle Rebelle conformiste, où vous parlez des rappeurs d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est une tradition dans le rap qui n'existe pas du tout dans le jazz, le rock ou la soul. C'est débiner la concurrence dans les chansons. Bah parce qu'avant tout, déjà, le rap, c'est une musique guerrière, un peu comme on a retrouvé dans le morceau à Oolong. C'est qu'on est, en tout cas pour notre part, confronté à nous-mêmes. Et donc, vu qu'on est les meilleurs face à nous-mêmes, c'est logique qu'on le soit face aux autres aussi, quoi. Oui, c'est comme ça que vous l'expliquez. Oui, c'est de la mythologie grecque, l'histoire. Ouais, voilà. Gaffe, c'est pour ça que vous parlez beaucoup d'arènes, de gladiateurs, de Jules César, etc., etc. Oui, c'est un genre de vaisselle de poche moderne, un peu. Justement, pour montrer à quel point vous n'étiez pas un rebelle conformiste, Joey Starr, vous dites que vous êtes de la génération Trust, Coluche, Balavoine. Pourquoi c'était pas une forme de rébellion un peu Je vous pose la question. C'était rebelle anticonformiste, Balavoine. Balavoine, ouais, plutôt. Enfin, moi, je sais qu'il a réussi à voyager jusqu'aujourd'hui. Moi, je suis assez surpris qu'il y a des jeunes aujourd'hui en banlieue, mais des gens, quand je dis jeunes, des gens qui ont 18-19 ans, qui écoutent du Balavoine et qui entendent ça d'une manière... attention, la lecture, elle est complètement différente. Elle diffère. Et puis, je crois qu'il y a aussi un truc auquel je crois je peux prétendre, c'est que après Trust, Balavoine, il ne s'est plus rien passé en France pendant un petit moment. Il y a eu Renaud, c'était peut-être le seul qui était dans la continuité, où on avait un petit truc avec un filet contestataire. Et je crois qu'à NTM, on a réussi à se placer là-dedans. Début 90, quoi, à mon avis, parce qu'il se passait plus rien et que Balavoine en faisait partie. Écoutez, je pensais pas qu'un jour vous invoqueriez le Balavoine dans vos. Dans le couplet d'avant, je dis sans la musique, la vie serait rare, disait Nietzsche. Aujourd'hui, le trou du cul prône et l'envie, c'est get rich. Mais c'est pas un étal de je fais pas le singe chavon ou quoi que ce soit, c'est de la rime qui sort comme ça, quoi. Je prétends faire ce que j'ai, donc je force pas le trait. Elle est bien celle-là aussi. Hein. Caribbean Dandy, c'est l'album de Joey Starr et de Natty qui vient de sortir. On écoutera d'autres chansons au cours de cette émission.